peut les réduire à un rythme et une mélodie. Donc c'est très facile d'échanger là-dessus, de faire des ateliers, de jouer, de décorréler mélodie et rythme pour les enfants, c'est pas forcément évident, et c'est très ludique en même temps, et donc voilà, ça s'imposait un peu comme ça, et puis c'était un désir de notre part de aussi expliquer, partager, échanger autour de cette création-là.